Salut mes copines, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. C'est le tag du No Mirror Makeup. C'est un tag que j'avais déjà fait il y a super longtemps. Je l'avais fait uniquement en photo. Et en fait c'est très très drôle et à voir et à faire. Donc je me suis dit que j'allais vous le filmer, que ça allait être un petit moment plaisir. Voilà, je ne suis pas du tout maquillée, j'ai juste camouflé l'espèce de mastodonte énorme qui me pousse là. Sinon, je vais enlever mon miroir, je vais tourner mon écran et ne pas le fermer comme je viens de faire il n'y a même pas 2 minutes parce que j'ai dû me démaquiller, ça avait coupé l'enregistrement. Donc on va faire un maquillage entier, la totale, hein, et puis on va voir après ce que ça donne. Donc je vous retrouve tout de suite après. J'enlève le miroir et je retourne l'écran. Et c'est parti. Alors, il me faut mon pinceau à fond de teint et mon fond de teint. Je sens bien que... Je sais pas pourquoi. Alors, je vais avoir trop de fond de teint, des gros pâtés. De toute beauté, je le sens. Mes sourcils, alors mon deep brow et mon pinceau à sourcils, et là ça va être que du bonheur parce que je sais que je vais avoir les sourcils hyper foncés, ça va être trop beau. Alors je suis même pas sûre d'être au bon endroit. Ça le fait ou pas? Je suis pas sur mon sourcil là. Bon, and sweet. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Attends, un maquillage chargé, hein, histoire que ce soit bien rigolo. Alors, on va prendre un pinceau estompeur et on va faire... je ne sais pas. Tiens, je vais mettre celui-là. On va mettre une petite touche de lumière sous le sourcil. Oh, je viens d'en mettre plein mon sourcil. Mes sourcils doivent être trop bien faits, j'ai pincé les tout marron du deep brow. On va mettre un peu en coin interne, bon c'est pas le bon pinceau mais c'est pas grave. Alors ensuite, on va mettre du rose comme ça. Merde. Je sens que ça va être beau. Puis en plus, je vais faire une superbe association de couleurs.
pas mettre celui-là, tiens, tant qu'on y est. On va prendre ce pinceau là et on va faire avec du foncé là. Pour trouver un peu au hasard, mais après on suit la forme de l'œil. On va estomper tout ça. Hein. Voilà. Ensuite un petit coup de liner. Alors l'eyeliner, donnez ça qui. Sur mes cils. Non, je suis trop fier. Je me sens belle. ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors ensuite, bon, ben, on va mettre un peu de... On va mettre du rose comme ça sur le dessous de l'œil. Bizarrement, quand j'ai fait n'importe quoi, je prends ma voix avec la gueule. Je vais te maquiller comme une voiture volée. Dans l'œil. On va mettre un peu de comme ça là. Hein, celui-là. Il est plein les yeux. Bon, maintenant, un petit peu de mascara. Bon, ça, le mascara, c'est pas. Je me suis mis dans l'œil. Merde, là j'en ai mis partout. Après, je vais pas mettre le crayon noir dans la muqueuse parce que je sens que je vais me crever un œil. Hein, je suis un peu pas, comment dirais-je, très très sûre de moi. Ah oui, j'ai pas mis d'anticerne. Ensuite, on va mettre on va mettre du bronzer. Ensuite, du blush. Alors, on va mettre un blush. Ouh, celui-là, il se voit bien, ça va être sympa. Et on va mettre un crayon à lèvres.
super concentré. Et ensuite, on va mettre cette chose là. J'ai déjà débordé. J'ai oublié de mettre de l'enlumineur, donc on va mettre de l'enlumineur. Et maintenant, qui c'est qui ressemble à un lampadaire? Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Je pense que j'ai tout mis, hein. On va avoir plein les dents. Alors maintenant je vais retourner l'écran. Je me vois toujours pas hein, parce que j'ai pas mes lunettes. Donc je viens de jeter mon fond de teint par terre. Je viens de poser mon miroir là et je vais le tourner pour me regarder. Et je sens que je vais bien rire. Ça va, putain! Ouais, le sourcil là, c'est la fête de mon sourcil. J'ai des sourcils monstrueux. Celui-là, il fait 3 mètres. Et j'hallucine, l'eyeliner, il est trop bien fait. La classe! J'en ai fait les dents. Comment j'ai mis mon crayon à lèvres? J'ai voulu agrandir mes lèvres. C'est pas la cata. Je me suis mis du mascara partout. Voilà, c'était mon petit défi, le No Mirror Makeup. C'est quand même... waouh. Ah, je me suis fait un trait de violet avec l'anti-cerne qui remonte jusque là. Mon sourcil est juste magnifique, j'adore. Là, j'ai une variance de dingue. Non, ça va, je garde la bouche là, au top quoi. Donc voilà, bon, c'était le défi No Mirror Makeup. Je me suis bien régalée à le faire. J'espère que ça vous a plu. Et toutes celles qui ont envie de le faire, je vous invite à le faire. Je tag toutes celles qui ont envie de le faire. Je vous mettrai des noms de personnes que je tag dans un écran qui défile. Et puis si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment très drôle. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les make-upies.